Ça fait plus de 3 ans que vous me demandez de faire cette vidéo, voici mon setup. Bon, déjà pour commencer, je dois répondre à une question que vous me posez littéralement tout le temps. Nazuma, c'est quoi ces cheveux là? Les gars, ces cheveux, je vais pas vous mentir. C'était pour le sub goal Twitch d'avril dernier. Je crois pour quelque chose comme 500 subs, je devais laisser pousser les cheveux pendant plus d'un an. Bah, ça fait déjà quelques mois, mais ça fait bientôt un an. Franchement, je me trouve BG avec, donc pour l'instant, en tout cas, je compte pas les couper après. Bon, du coup, les gars, on va directement commencer par mon setup. C'est l'endroit où je joue, l'endroit où je travaille principalement. Je passe en moyenne entre 6 et 12 heures par jour dessus. Ça fait beaucoup, mais bon, c'est mon métier. Déjà, pour commencer, mon clavier, c'est un K5 de chez X-Refy, full custom, avec des Switch Momoka Green Frog, des touches en PBT bleu ciel, un câble tressé bleu ciel également. Ensuite, j'ai mis la barre espace de mon ancien clavier qui était le Ducky Schnell One 2 Mini. Pour ceux qui s'en souviennent, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, ça date il y a très longtemps, les gars. Et même sur Fortnite, je crois. Du coup, vous l'aurez compris, j'essaie de faire un setup full blanc et bleu ciel. Je trouve que le combo se marie vraiment bien et je vois vraiment ça de nulle part, donc j'ai voulu tester. Dites-moi tout de suite dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai pris une case transparente, comme ça, ça fait ressortir les LED. Ça va faire 5-6 mois que je l'ai et franchement, c'est le meilleur clavier que j'ai eu de toute ma vie. Pourtant, j'en ai fait des claviers. Pour comparer aux deux qui, parce qu'il y en a plein qui me demandent, il est vraiment 10 fois mieux, les gars. Problème tout simple, vous faites renverser de l'eau dessus, il y a 3-4 touches qui marchent pas, bah vous pouvez retirer les switches et le changer en un claquement de doigts. Petite précision, il y a littéralement aucun sponsor dans cette vidéo, donc tout mon matériel, je l'ai acheté. Je peux très bien dire que c'est de la merde, par exemple, mais bon, c'est pas le cas. Faut savoir aussi que je suis très minutieux avec mon matériel. Je veux dire que si je veux vous conseiller quelque chose, ça va vraiment être quelque chose de bien. Ensuite, on enchaîne avec la souris, qui est la Logitech G Pro Super Light en blanc. Pourquoi j'ai fait le choix de prendre une Super Light au lieu de la normale? C'est tout simplement par rapport au nom, la Super Light. Je crois qu'elle a 20 grammes de moins que la G Pro de base, ce qui est vraiment énorme quand même quand on joue. Il me semble qu'elle fait 60 grammes, ce qui est vraiment très peu. Et honnêtement, les gars, pour moi, c'est vraiment la meilleure souris qui existe sur le marché actuellement. Elle est très légère, elle est sans fil, la batterie dure des semaines. Là, typiquement, la dernière fois que je l'ai rechargée, c'est d'il y a 2 semaines, hein, pour vous dire. Je sais que j'ai des potes à moi, ils doivent la recharger tous les 4-5 jours et tout, mais je sais pas pourquoi. Moi, la mienne, frérot, elle a une batterie de fou. Ensuite, pour tenir le câble de la souris, j'ai un Bungie de chez Glorious en blanc. Encore une fois, je trouve qu'il est vraiment beau. Ça rend le setup grave épuré en vrai. Et du coup, le peu de fois où je dois la recharger, bah du coup, je mets le câble dessus et ça me permet d'éviter que le câble me gêne quand je joue, par exemple. On enchaîne avec Glorious pour le tapis de souris. C'est un Glorious XXL. Bon, ensuite, il a pas mal de tâches et tout. Ça va faire, je crois, un an que je l'ai, donc c'est normal. Ensuite, j'ai un Stream Deck 15 touches, le meilleur outil à avoir si vous travaillez souvent sur l'ordinateur. Typiquement avec, je gère tout ce qui est OBS, donc pour tout ce qui est stream, scène, alerte, lumière aussi. Je peux lancer des jeux, des applications juste en un clic dessus. Enfin bref, on peut tout faire. Ensuite, on enchaîne avec ma carte son qui est une Yamaha AG06. Meilleur rapport qui a été pris, vous pouvez avoir. Je vous ai comprendre pourquoi, je vous en parlais juste à l'heure. Coupé à la carte son, on enchaîne avec mon Shure SM7B, le bestio. On me pose beaucoup de questions, les gars, sur est-ce que tu l'as acheté comme ça ou quoi. Non, les gars, c'est moi qui l'ai custom. J'ai vu sur internet quelqu'un qui a custom son micro et je trouve ça dommage parce qu'en vrai, un micro, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup sur l'écran quand on stream quoi. Donc vu qu'il est présent, autant l'embellir un peu. Du coup, j'ai mis une petite bonnette bleue et j'ai mis un petit wrap custom en chrome. Il est plus très chrome, mais ça fait longtemps. Franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai un câble XLR en blanc. Je vais à tout prix l'avoir en blanc parce qu'en vrai, je trouve que ça rend beaucoup plus beau. Ensuite, ma perche, c'est une Rode PSA 1. Franchement, il n'y a aucune originalité. Mais franchement, c'est un bon matériel. Le casque, c'est un Beyer Dynamics DT 990 Pro 250 OHM. Pour le prix, les gars, c'est une dinguerie, genre vraiment. Donc moi, j'ai pris la version ouverte, à savoir qu'avant, j'avais la version fermée. Pour ceux qui savent pas ce que c'est ouvert et fermé, c'est très simple. Quand vous avez un casque ouvert, vous le mettez sur les oreilles, vous entendez littéralement tout ce qu'il y a autour de vous. Même si quelqu'un se mouche à 15 mètres, tu l'entendras, mon ref. Mais l'avantage de ça, c'est que si vous êtes tout seul et qu'il n'y a pas beaucoup de bruit chez vous, sur les jeux vidéo, c'est une dinguerie. La spatialisation du son est incroyable. Si vous jouez à Fortnite, par exemple, ou à Warzone, bah, les bruits des pas autour de vous, vous les entendrez comme si c'était à côté de vous, en fait. Enfin, c'est vraiment trop bien fait. C'est ce qui n'est pas forcément le cas avec une version fermée, enfin, du moins de mon ressenti. Ensuite, il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais pour coupler un Shure SM7B ainsi qu'un DT 990 Pro. Que c'est quand même deux choses où ils demandent beaucoup de puissance et pas toutes les cartes son peuvent se permettre de le faire. Une mini Go XLR ou une Go XLR, par exemple, c'est un des trucs les plus répandus. Et le Shure SM7B plus le casque sont tellement puissants que bah, ça va directement vous brider de ouf la qualité du son et la qualité du micro. Alors que ma carte son n'a aucun problème avec ça, elle arrive à bien coupler les deux, tout en gardant une bonne puissance. D'ailleurs, pour augmenter un peu la puissance de base du Shure SM7B, j'ai acheté un Fat Head, un accessoire que vous mettez entre le câble et la carte son, va rendre le son beaucoup plus propre et beaucoup plus fort, qui vous permettra ensuite de le régler à une bonne hauteur. Voilà en tout cas ce qui concernait mon setup son, et franchement j'en suis vraiment fier de mon combo son. On enchaîne avec mes deux écrans, c'est des MSI incurvés en 2K d'affichage, avec 165 Hz de taux de rafraîchissement. Alors je sais qu'il y a des écrans qui montent jusqu'à 360 Hz par exemple, sauf que c'est de la HD, donc c'est du 1900x1080, et moi ça m'intéresse pas. Je préfère avoir plus une image belle que plus d'FPS, et franchement sur tous les jeux j'ai une qualité d'image incroyable, avec 165 Hz, donc c'est quand même beaucoup
beaucoup en vrai. Dans mon utilisation, c'est le meilleur compromis que je peux avoir. Les deux sont en 27 pouces, donc c'est quand même assez énorme. À savoir qu'avant j'étais en triple screen pour ceux qui s'en souviennent. Je vous affiche des images maintenant. Franchement, c'était incroyable, surtout que le triple screen pour jouer à des jeux comme Assetto Corsa par exemple, bah c'est incroyable. Mais là, je suis passé sur un setup double screen parce que du coup, j'ai préféré mettre mon PC à ma droite et que mon troisième écran ne m'était pas vraiment utile au final. Je trouve que le rendu comme ça est 10 fois mieux en vrai. On passe avec mon PC. Du coup, c'est un PC que j'ai monté moi-même. J'ai choisi pièce par pièce sur différents sites pour avoir le meilleur prix. Du coup, on commence avec la carte mère qui est une X570 Steel Legend. Dessus, j'ai mis un processeur AMD Ryzen 9 3900X. Tous les pro Intel, ils vont tous m'insulter. J'ai pris AMD parce que moi, je fais du multitâche et je joue beaucoup aux jeux. Et franchement, tout le monde sait que AMD est meilleur qu'Intel en termes de multitâche. Ensuite, j'ai 64Go de RAM en 3200 MHz. Ça peut me paraître énorme, mais franchement, j'ai voulu me faire kiffer, les gars. Et franchement, ça fait du bien à la config. Ensuite, ma carte graphique, c'est une RTX 3080 Extreme de chez Aorus. Donc, pourquoi Extreme? C'est une version améliorée de la 3080 de base. Et au niveau des tests, c'est à peu près la même que la 3080 Ti. Donc, c'est une 3080 surboostée. Alors, je l'ai acheté 5-6 mois après que les RTX sont sortis. Donc, le prix était encore assez cher. Et pour ceux qui s'en souviennent, il y avait la grosse crise. Donc, pour en trouver, c'était vraiment chaud quand même. D'ailleurs, grosse dédicace à Encode qui m'a permis d'avoir cette carte graphique au moment où c'était la crise de fou. Ensuite, j'ai un water cooling de chez Corsair. Donc, c'est le H115i, je crois. En blanc, encore une fois, car bah, bon, vous le savez, hein, j'essaie de faire un setup full blanc. Le boîtier, c'est un Corsair. J'ai plus la ref par contre. Il est vraiment énorme. Franchement, je trouve qu'il est incroyablement beau. Dans mon setup, il rend trop bien. Avec les 3 ventilos RGX à l'avant, ça rend beaucoup trop bien. Ensuite, au niveau des updates qu'il y aura en 2023 sur mon PC, je vais acheter un nouveau processeur pour s'acheter le dernier Ryzen. Je compte remplacer tous les ventilos du boîtier par du Lianli en blanc. Donc, deux en bas et un derrière. Je trouve qu'ils sont incroyables. Dites-moi ce que vous en pensez. On a fini pour le PC. On enchaîne avec la PS5. J'ai une PS5, les gars. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'y joue jamais, mais c'est un cadeau de PlayStation qui me l'avait envoyé à l'époque. Ça fait trop plaisir. C'est une des choses dans mon setup dont je suis le plus fier parce que bah, c'est un partenaire avec PlayStation et c'est un de mes rêves de gosse. Gros big up à Jérôme d'ailleurs. Bisous sur toi. Donc, du coup, dès qu'il y a un nouveau jeu PlayStation qui sort ou quoi, il me l'envoie tout le temps en avant-première. Ça me permet de le tester et tout. Et si j'aime bien le jeu, j'en fais un stream dessus ou j'en fais des vidéos. C'est le cas par exemple pour Gran Turismo 7 il y a presque un an maintenant. Le temps passe vite. Le dernier jeu que j'ai joué dessus, c'était Kena. On a fait des giga streams et tout. C'était incroyable. Franchement, pour jouer à des jeux d'aventure ou quoi, la qualité est incroyable vraiment. Ensuite, vous demandez sûrement pourquoi il y a une boîte de Yeezy 350 sur mon setup. Bah, c'est tout simplement parce que dessus, je mets ma caméra qui est un Sony A7C avec un objectif Sony 24 mm. Je pose dessus et franchement, ça hauteur pile poil pour ma tête. Donc le combo est un peu cher, mais la qualité, je trouve qu'elle est vraiment incroyable. Même vidéo à l'intérieur, les lives, ou encore pour des photos Insta, franchement, la qualité, elle est folle. Meilleur rapport qualité-prix qu'on peut faire. D'ailleurs, on me demande souvent pourquoi j'ai pas pris un A7 III. C'est tout simplement parce que l'A7 III, je trouve qu'il est un peu trop gros. Il n'y a pas l'écran amovible et l'autofocus est moins bon que sur A7C. Et vous savez très bien qu'un autofocus, c'est ultra important pour tout ce qui est live. On enchaîne avec une Elgato Keylight. Donc j'en ai qu'une, j'en ai pas deux. Je trouve que ça convient parfaitement quand je suis en live. Le rendu est vraiment clean. On pourrait régler ça par Wi-Fi avec le téléphone, c'est parfait. Ensuite, j'ai des mousses acoustiques. Je trouve que leur design, elles rend vraiment trop bien par rapport au setup. D'ailleurs, on m'avait beaucoup demandé comment j'ai fait pour qu'elles tiennent au mur. Bon, c'est un peu compliqué, mais je vais vous expliquer. J'ai mis du scotch double face sur le mur. Par-dessus, j'ai collé des cartons. Et sur le carton, j'ai mis de la glue de partout, comme ça, ça colle littéralement à chaque carreau. Que avant, je mettais du scotch et elle faisait que tomber. Franchement, c'est la cata. Là, ça va faire 2 mois et ça tient parfaitement. J'ai zéro problème. On me demande souvent quelle est ma manette pour jouer Rocket League. Là, j'ai une manette de PS4. À savoir qu'avant, j'étais pendant 3 ans Xbox. Je suis passé 6 mois sur PS5. Et une fois que j'étais sur PS5, je trouvais que j'avais un ressenti assez bizarre. Les mécaniques sur le jeu étaient pas folles. Donc, j'ai laissé ma chance. J'ai essayé et en 10 minutes, mes mécaniques étaient largement meilleures. Donc, franchement, je vous conseille. Ma chaise, c'est une Noble Chair Epic en blanc. En vrai, elle est bien, mais je vous conseille vraiment de pas prendre ça, les gars. Je pense vraiment que c'est la seule erreur dans tout mon setup que j'ai fait. Après, cette chaise-là, je vais la garder encore longtemps parce que je suis pas quelqu'un qui change beaucoup. Mais si vous avez 200€ plus, investissez dans une chaise ergonomique. Votre dos me remerciera, les gars. Bon, on enchaîne par le téléphone, hein, parce qu'on me demande souvent, les gars. Un iPhone 12 mauve, rien de plus simple. Je trouve qu'un mauve, il rend vraiment bien. Puis vous connaissez, de toute façon, c'est ma couleur préférée. Mais il faut que je vous montre un truc, les gars. Petite déchirure au cœur, j'étais à Paris. J'étais tout seul, je devais rejoindre mes potes. J'étais sur la map comme ça. Je me retourne, je vois une meuf qui court. Elle me fonce dedans, elle fait tomber le téléphone par terre. Du coup, ça a cassé la vitre. Et elle retourne tracer sa route. Elle s'est même pas excusée, j'ai trop le seum. Et la fissure, elle est en plein milieu de l'écran. Franchement, je sais pas quoi vous dire, j'ai trop le seum. Et bon, moi, mes téléphones, ils me durent longtemps, donc en vrai, je vais le garder longtemps, je pense. On finit par mon support écran. Donc la marque, c'est un Arctic. Il peut supporter jusqu'à 3 écrans. Franchement, il est parfait. Je pourrais aller comme je veux, tout est nickel. À droite de mon setup, j'ai un meuble avec 4 cases. Dans cette étagère, par exemple, j'ai mis des shakers, des lunettes Vershowman qu'on m'a donné à Londres pour les RLCS précédents, un petit cactus que ma soeur m'a offert parce que pourquoi pas, mes AirPods Pro et mes clés. Dans la case en dessous, j'ai mon matériel pour filmer. Donc on retrouve mon micro pour ma caméra qui est un vidéo mic pro de chez Rode. Franchement, il fait le taf, il est incroyable. Mon SSD quand je pars dans d'autres pays pour faire des vidéos, par exemple. Ensuite à droite, j'ai mon ancienne scuff Xbox, les gars. Elle doit avoir 5 ans celle-là. C'est l'achat que je me suis fait avec mon tout premier salaire de ma vie. J'ai fait un stage d'une semaine, je crois, et puis je m'étais acheté ça. Et puis ma manette PS5, qui était du coup l'ancienne manette avec laquelle je jouais. Et juste en dessous, vous allez me demander pourquoi y a rien, à part une petite sorte de coussin. Bah, c'est tout simplement que vu qu'il y a mon lit à côté, moi je dors tout le temps avec mon chat. Et des fois, une nuit sur deux, je sais pas qu'est-ce qu'il lui prend, frérot. Il va dans le casier. Donc avant, il y avait du bordel, du coup il foutait tout en bordel et ça me réveillait à 4h du matin. Je peux te mentir que ça me saoulait. Du coup, je lui fais une petite place pour lui, comme un roi. Tsuki le Giga Chad, alias le Sigma. Juste en dessous, c'est un peu mon casier, trousse de bain quoi. Gel douche, produits pour les cheveux, de la cire, des parfums. Enfin bref quoi, je peux vous faire un dessin. On enchaîne avec le lit, les gars. Donc c'est un lit. Bon, je rigole. D'accord, je vais te le présenter, mon ref. Mais juste au-dessus, vous allez voir qu'il y a une guitare électrique accrochée au mur, les gars.
Parce que pour ceux qui savent pas, les gars, ça va faire environ un an que je me suis mis à la guitare. J'en fais littéralement jamais, mais tranquille. D'ailleurs, ce que vous entendez actuellement au fond, c'est moi qui joue, les gars. Et je trouve sincèrement qu'au mur comme ça, elle rend, mais trop bien. Genre, je trouve, elle est vraiment insane. Ah, vous l'avez vu, ma LED vient de s'éteindre, elle a plus de batterie mon ref. Ensuite j'ai accroché un miroir en paysage, je trouve que ça ajoute quand même beaucoup de profondeur à la pièce. Et franchement ça fait du bien, Azuma décorateur d'intérieur les gars. Ensuite on passe sûrement à la chose que vous attendez le plus, mon décor. On a des Air Max 95 full white, ma toute première paire de sneakers donc j'en suis un peu attaché quand même. C'est un peu des chaussures où je m'en fous quand je les porte, donc je peux marcher dans la boue ou quoi, bah je les nettoie après, je m'en fous un peu. Ensuite j'ai des Yeezy 350 Boost V2 en grise avec des petites écritures en rouge. Je les trouve mais incroyables, pour moi ça fait partie des chaussures les plus belles. Je les avais achetées à Londres pour les RLCS de l'an dernier. Je les porte vraiment presque tout le temps, j'en prends ultra soin, je fais attention où je marche avec, je les nettoie assez souvent et tout. Et on enchaîne avec les chaussures les plus incroyables je pense. Sean Wotherspoon 97. Rien que ça. C'est le cadeau de mon meilleur pote. Au moment où je les ai reçus, elles coûtaient genre 900 euros, je crois. Maintenant, elles sont montées à 1800. Je les porte vraiment à des occasions assez spéciales. La dernière fois que je les ai portées, par exemple, c'était la dernière fois que je vous ai vu à la dernière Paris Games Week. J'ai même 2-3 photos Insta dessus avec, ça rend trop bien. Ensuite, j'ai un immense arbre à chat, les gars. Franchement, il est incroyable. J'ai pris ça pour Tsuki. Franchement, il kiffe. Il est tout le temps dessus, les gars. Il dort souvent dessus. Vous le voyez typiquement tout le temps en stream dormir dessus. Ça doit être bien quand même d'être un chat. Hein. J'aimerais bien être à sa place. Franchement, ça doit être trop bien. Derrière l'arbre à chat, j'ai mis une LED Cactus Jack. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est le label de musique de Travis Scott. J'adore Travis Scott, j'adore sa musique et franchement, je trouvais que le avec la ref était incroyable, surtout à cet endroit là précisément. Je trouve que derrière l'arbre à chat ça rend trop bien en stream. Dites-moi ce que vous en pensez. On enchaîne avec deux meubles noirs en bois de chez Ikea. Par dessus, j'ai mis un mini frigo XL de chez Clarstein. Il est trop beau, les gars. C'est une dinguerie. En plus, j'ai les custom donc j'ai mis des LED à l'intérieur. Comme ça, même quand je l'éteins, bah ça rend trop bien. Je pense que c'est un des meilleurs achats que j'ai fait récemment. Vous savez, les gars, j'aime pas bouger de ma chambre quand je suis en stream et je bois beaucoup de boissons, de l'eau, même des repas. Par dessus, j'ai mis trois canettes qui viennent du Japon. Les trois étaient beaucoup trop bonnes. D'ailleurs, le Fanta Grape, je comprends pas pourquoi ils ne mettent pas ça en Europe. Franchement, c'est trop bon. Bon, et deux autres, bon. Les boissons japonaises quoi. Ils ont des goûts assez spéciaux. Hein. Ensuite au mur j'ai mis trois étagères donc elles sont assez grandes. Par dessus j'ai mis le sac de Dora. Et évidemment les gars, comment je pouvais ne pas le mettre les gars. C'est trop une ref importante. Avec la carte. À droite j'ai mis une petite statue en loup origami. Je trouve qu'elle rend trop bien. Ensuite une petite peluche. On n'est que deux à voir à la ref, mais c'est ça qui est beau. Ensuite il y a mes Yeezy du coup. Je trouve qu'elle rend trop bien ici en vrai. Ensuite il y a trois Diabolo Sundia avec des baguettes en carbone de chez Sundia aussi. Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai fait du jonglage pendant plus de 7 ans. Je trouve ça quand même important de le mettre ici. Puis en plus je trouve que ça rend trop bien dans le décor. Ensuite j'ai acheté une display les gars. D'ailleurs petit jeu pour ceux qui aiment bien les animés. Vous allez me dire dans l'espace qu'est-ce que vous pensez que c'est. Ensuite il y a deux bracelets RLCS, donc le mien et celui de Gapple. Ils avaient oublié en partant de Londres, du coup j'ai dû le garder pour lui. Frérot, c'est quand tu veux, tu viens les chercher en fait. Ensuite, encore une petite canette japonaise. Ensuite j'ai mis le Wotherspoon, je trouve qu'elle rend incroyablement bien. À droite j'ai mis une statue Valorant, donc c'est Jett pour ceux qui connaissent. Ceux qui savent pas, j'ai joué un peu à Valorant quand même. J'ai joué 5-6 mois et franchement j'ai trop kiffé le jeu. Je suis monté à ascendant, donc franchement ça fait plaisir. Gros big up à tous ceux qui nous suivaient sur les streams d'ailleurs. J'ai pas arrêté le jeu, je compte m'y remettre bientôt, sauf qu'en ce moment j'ai beaucoup de travail. Donc je pense m'y remettre d'ici début janvier je pense. Derrière la statue, vous voyez qu'il y a des carreaux en LED qui suivent les deux murs. Donc c'est des nanoliths. Square, c'est un peu cher, mais ça rajoute vraiment quelque chose de fou au décor, je trouve. Ensuite, il y a mon nounours. Alors, les gars, pour ceux qui ont la rêve de ce nounours, mettez dans l'espace commentaire. Franchement, vous serez des cracks, les gars, parce que je l'ai dit qu'une seule fois en live, c'était il y a environ un an. Ensuite, un puzzle. Donc, c'est une photo de moi et une Nissan R34 GTR. Donc, c'est un puzzle 1000 pièces que je devais faire pour le ce bâton dernier. J'ai un peu sous-estimé la chose, j'ai pas réussi à le finir, mais je trouve que le rendu comme ça, je trouve que ça rend beaucoup trop bien. Et là, vous allez vous demander pourquoi il y a 6 fois la même voiture. Donc, il y a 3 répliques. Il y a une réplique de la R34 GTR, parce que pour ceux qui savent pas, l'automobile, c'est une de mes plus grandes passions, entre autres les voitures japonaises. Et cette voiture, c'est ma voiture préférée depuis que je suis né, les gars. Je suis vraiment passionné de cette voiture et ça me fait trop plaisir de voir ça, les gars. Donc, pour les curieux, ce modèle réduit, c'est un 1/18e. Il y a aussi la 1/64e juste à côté, exactement la même. Donc, il y en a que 599 au monde. Donc, on peut dire que c'est un modèle hyper rare actuellement. Ça a été fait au Japon. Ils ont aussi fait d'ailleurs le moteur, donc le RB26, avec un truc qui le tient et tout. Franchement, je trouve ça rend trop bien. Je sais pas si ça va se voir à la cam, mais les détails de la voiture sont incroyables. Par exemple, quand on tourne les roues, ça tourne le volant. Dans le coffre, ils ont mis de l'Alcantara, les frérots. Ils sont partis ultra loin. Dans le moteur, il y a vraiment, mais genre tout le moteur. Il y a la transmission, il y a la boîte de vitesse, il y a littéralement tout en fait, genre c'est abusé. Même ce qu'on ne voit pas, ils l'ont quand même fait, c'est incroyable. Je pense que tous les fans vont bégayer devant ça les gars. En dessous du modèle réduit, j'ai un livre sur les Nissan GTR et sur leur histoire, un cadeau de mon frère, gros big up à toi d'ailleurs. Et du coup, je trouve vraiment que ce coin de décor rend beaucoup trop bien les gars, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez les fans de GTR. À droite de la GTR, on a mon trophée les gars, mon trophée des 5000 abonnés. C'est clairement l'objet dans toute ma chambre dont je suis le plus fier. Faut savoir que j'ai créé ma chaîne YouTube en 2011. Ça fait 11 ans que je fais des vidéos les gars, j'ai 20 ans. Donc ça fait plus de la moitié de ma vie que je suis sur YouTube et que je fais des vidéos. Je sais pas si vous vous rendez compte. Des fois, je le regarde et je me rappelle tout ce que j'ai parcouru pour en arriver à là. En vrai, c'est juste fou, mais c'est que le début. Je compte sur vous pour vous abonner, les frérots. Le prochain trophée est à 1 million d'abonnés, donc on en a encore beaucoup du chemin à faire. À droite du tapis, j'ai mis une guitare. Donc, c'est ma première guitare. C'est une guitare classique. C'est une Alhambra 4P. Elle fait un son, mais incroyable. C'est la guitare avec laquelle j'ai réalisé la musique que vous avez entendu juste avant. Elle coûte assez cher, et moi, je lui ai à 3/4 du prix. Derrière, il y a un gros carton où dedans, je mets tous mes petits cartons. Derrière, il y a un volant. Donc, c'est un T300 RS GT. Meilleur rapport qui a été pris, les gars. Vous pouvez pas faire mieux. Donc, là, on est sur Assetto Corsa. Petit gameplay au volant. Je vais vous montrer de quoi il est capable. Donc là les gars, on est sur Yamaga Tomaranai, c'est une map assez connue sur cette Corsa, c'est une map japonaise.
D'ailleurs, je roule en E36, hein, BMW, une 328i. J'espère qu'à la cam, on voit bien le volant et tout. Un petit peu de Vexor pour ceux qui aiment bien d'ailleurs. En plus, Assetto Corsa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un vrai jeu de simu, les gars. C'est le meilleur jeu, je pense, actuellement en termes de simulateur de drift. Enfin, bref. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Franchement, je m'amuse de fou. Genre, c'est incroyable. Je vous conseille, les gars. Prenez ça pour Noël. Et pour finir, mon bureau, je pourrais pas vous dire le modèle exact, les gars, mais il est immense. Je crois que c'est un 160 par 90. Bon, je pense, les gars, qu'on a fait un peu le tour de tout. Si j'ai oublié des choses, dites-le moi dans l'espace commentaire. Je vous répondrai. Toutes les refs seront dans la description. Pensez au petit pouce bleu et à l'abonnement si vous avez kiffé cette vidéo. J'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo, les gars, donc ça me ferait vraiment plaisir que vous lâchiez juste un petit pouce bleu. C'est gratuit, ça vous prend littéralement 2 secondes et moi, ça m'aide énormément. Merci à vous. C'était Azuma. Peace.